Je m'appelle Itai Gédelin, je suis directeur musical de l'ensemble Concerts étrangers et je suis flûtiste. Avec cinq chanteurs avec laquelle je ne suis jamais travaillé. Et je suis très content de cette expérience musicale avec ces nouveaux musiciens qui sans doute vont s'intégrer dans les futurs projets de l'ensemble. La musique baroque m'a toujours attiré. Ça qui était pour moi une vraie découverte, c'était la sonorité des instruments d'époque et la légèreté et la pulsation qu'on trouve dans cette interprétation là. Et surtout, l'histoire de découvrir des musiques qui est là, qui a survécu et qui n'est pas jouée. L'idée de se réunir autour de la musique à cinq voix du Bach, de Kuhnau également. On a choisi de travailler un chanteur par partie, d'après la recherche de Joshua Rifkin. Cette approche permet de le donner vraiment de relief, de vivacité qu'on ne trouve pas dans les interprétations des grands chœurs. Énormément de chance de venir ici à la Cité de la Voix. C'est un lieu vraiment exceptionnel qui permet de faire un travail approfondi, d'être inspiré par les lieux et d'avoir une vraie expérience humaine. Je souhaite que le concert étranger continue de donner des concerts qui sont des moments unique, magique, qui font honneur aux musiciens qui font partie de l'ensemble.